Bonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle vidéo un peu différente. Dans le passé, je vous ai souvent parlé de l'importance de la pensée, de la posture mentale, souvent la source de nos problèmes en danse, particulièrement en danse classique. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une technique très simple et très puissante pour gérer la peur, les angoisses, les blocages émotionnels et même des traumatismes du passé. Cette technique s'appelle The Havening. Elle est basée dans la neuroscience et les psychosensoriels. Je mettrai un lien dans les descriptions vers des vidéos qui expliquent la science derrière. Vous pouvez suivre cette technique avec moi. Il suffit de trouver un endroit où vous n'allez pas être dérangé pendant 5 à 6 minutes. Ensuite, vous allez faire autant et aussi souvent que vous voulez. Moi, je l'utilise moi-même et franchement, pour moi au moins, ça marche. J'espère qu'elle marchera aussi bien pour vous. À tout de suite. Alors maintenant que vous êtes quelque part bien assis, confortablement, avec vos pieds sur le sol, je vais vous apprendre le mouvement, le toucher havening. Ça se fait comme ceci, des épaules vers les coudes. Un mouvement circulaire. Donc, une fois vers les coudes, vous enlevez les mains et vous les posez. La pression est la même que si vous étiez en train de caresser un lapin. Et avant de commencer, je veux que vous trouviez un souvenir, quelque chose, un incident de votre vie où vous n'étiez pas bien. La colère, la tristesse, la frustration, et fermez vos yeux et montez le plus intensivement là, cette sensation, ces pensées, ces émotions pour une dernière fois. Et une fois que vous avez trouvé cette sensation inconfortable, vous allez attribuer un nombre de 1 à 10. 10, c'est le plus intense. Et maintenant, vous allez commencer à toucher des épaules jusqu'au coude, vos yeux fermés, inspirez profondément, expirez et lâchez ces pensées, lâchez ces émotions. Et imaginez que vous et moi sommes sur une plage magnifique. Il y a les vagues, vous pouvez entendre les mouettes, vous pouvez sentir l'odeur de l'huile de bronzage, le sable chaud sur nos pieds. Et pendant que nous marchons, nous allons commencer à compter à haute voix de 1 à 20 avec chaque pas que nous prenons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, continuez les bras, 7, 8, 9, soyez sur cette plage. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Continuez les mouvements des bras et ouvrez vos yeux. Sans bouger votre tête, tournez vos yeux latéralement à droite. Et à gauche, vous continuez le mouvement des bras, les yeux à droite, les yeux à gauche, 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 et fermez les yeux. Et maintenant, imaginez que nous sommes dans un beau jardin. Une belle journée d'été et nous marchons sur le gazon. Et pendant que nous marchons, nous allons compter à haute voix de 1 à 20 avec chaque pas que nous prenons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Ouvrez vos yeux, continuez les mouvements des bras. Et sans bouger votre tête, tournez vos yeux à droite, à gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, les yeux à droite, les yeux à gauche, les yeux à droite, les yeux à gauche. Et continuez avec les bras. Fermez vos yeux. Et maintenant, nous sommes en haut d'un magnifique escalier. Et avec chaque marche que nous descendons, nous allons compter à haute voix de 1 à 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Prenez une grande respiration profonde et arrêtez. Alors, comment vous sentez-vous à présent? Peut-être différent. Immergez-vous de nouveau dans la pensée, l'incident que vous êtes souvenu au début de l'exercice pour constater la différence. Si ce n'est pas descendu à 1 ou 0 sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez recommencer encore une fois ou même deux fois. En tout cas, je vous encourage à utiliser cette technique pour plein de choses différentes. Moi, je l'utilise même pour des insomnies parfois ou moments de fatigue ou dès qu'il y a un peu d'appréhension pour quelque chose à venir. En tout cas, je vous souhaite tous une très bonne continuation, une bonne reprise de la danse. À bientôt.